Ah mes viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Mountain Blade avec le mode Prophecy of Pandore. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne et puis à liker, voilà. Et oui, avant le début de la vidéo, bah ouais. Alors, faut que j'aille me refaire mon armée. Parce que là, je prends trop cher. Alors. Visite. On va aller à l'Aria directement. Moi, je prends trop cher. C'est pas ça, c'est que je perds genre une trentaine de troupes par bataille. J'ai fait 3000 batailles depuis tout à l'heure, donc inévitablement, comment dire, mon armée baisse, hein, faiblit. Et un tournoi de Noldor. Bon, bah, allez. Merde. Je sais pas si j'ai des points de vie. Ça va. Bon bah écoute, on va essayer de se faire un petit peu de pognon et puis un petit peu de réputation, tout ça quoi. Black. Aïe. J'ai fait trop de combats aujourd'hui, j'en peux plus. Allez, ta mère. Oulou. Faut que je sauve le rouge là, vite. Oh là là. Ouais, faut que je sauve le rouge, il y a l'autre rouge qui m'attaque. Ok. Putain, c'était pas gagné hein. C'était pas gagné, mais c'est qui le patron? C'est Tonton! Alors, placez une prime, 500 deniers, vas-y, continue, combattage prochain tour. Le dada, épée bouclier, paf, esquive latéral. Pim! Ok. Allez. Oui, non, mais vous avez aucune chance. J'ai un cheval. Eh oui, avec... Qu'est-ce que tu veux faire contre le pouvoir de la boucherie chevaline, quoi? Oh, comment t'as pris cher, toi? Alors, c'est quoi? C'est du rouge, tout ça? Oh, ma team est la plus puissante! Ça change de la team bleue de la manche d'avant. Parce que la team bleue de la manche d'avant, ils ont rien fait. Ils ont pas dû capter que le combat avait commencé, en fait. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, dans ce cas-là, bah, t'es mort. Bah ouais. Ah, j'ai infligé 212 points de dégâts au cheval. Ouais. 123 points de dégâts au monsieur. Je veux bien une épée. Par contre. Oh. Ouais. Il est pas mort. Bah. Donne-moi une épée, là, tu casses les couilles. Il n'y a pas d'épée qui traîne. C'est une hache. Pas la différence entre une hache et une épée, d'accord. Non mais ok. Faut que je prenne de la distance. Allez, fais demi-tour avec ton canasson de brun là. Genre. Ouais, t'as aucune chance, alors c'est bon. Rendez-vous. Oh, il est pas mort. Il est pas mort, le pécor. Bah alors. Un petit peu tendu cette manche quand même.
Mais bon, c'est passé. Allez, hop, 500 deniers. On en est où là? Palier 4, putain. C'est long. Alors, deux équipes de 3. Bah bien sûr. Putain, ça c'est le genre de truc. Ça me... Ah putain, je l'aurais en face de moi, si de plus je vous bourre sa gueule. Bah tiens, bah c'est bien fait pour ta gueule. Bah voilà, mais on va perdre la manche avec tes conneries de fils de chienne là. Putain, j'allais le tuer, le mec il me coupe la route. Ouais, ouais, bah je suis mort. T'es fils de pute. Putain, faut arrêter quoi. Pourquoi il m'a coupé la route comme ça? Putain, ils ont de la chance que je suis surpuissant. Sinon, on serait mort, quoi. Placer une prime, 500 deniers, palier 5, deux équipes de 2. Attention, lance couché. Ta mère. J'étais à l'opposé du bouclier, il apparaît de coup. À l'opposé. Genre le bouclier il est là, il est sur un cheval, je tape là-bas. Et il part. Bah moi je pourrais peut-être mettre un coup d'épée à deux mains. Bah j'ai pas d'épée à deux mains, et alors tu peux parer avec un bouclier imaginaire, pourquoi pas taper avec une épée imaginaire? Tout est possible. Alors. T'as pas de cadeau quoi. 21 000 deniers mais aucun cadeau, ça me saoule. C'est quand même pas très sympa. Quitter. Ouais, alors par contre, ce serait bien, c'est... Parce que là, j'ai le bruit de l'arène, là, qui me... Non, attends, on va sauvegarder. Ah ouais, non, faut carrément... Alors. La taverne. Villageoise, arbalétrier, mercenaire. Parce que j'ai encore des... Bientôt. On est bientôt copains avec les Noldor, t'inquiète. Dans... 2 jours. Non, pas 2 jours quand même pas, mais bientôt. Non, je garde mes prisonniers. Alors, place du marché, marchand de biens. Je pense qu'il va falloir qu'on achète à manger. J'en suis à combien là? 72% de la lecture. C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment bientôt... Alors, peut-être pas amis, hein, mais... Il va peut-être y avoir un petit début de quelque chose avec les Noldor. Ouais. C'est pour bientôt. Oh merde, je viens de vendre un cheval. Qui continue, t'es... Oh merde! Vous recevrez 3000 balles. C'est pas possible, ça. Ah bah, il est boiteux aussi. T'as quoi de cher? Est-ce que c'est cher? 2007, hop. Alors, marchand de dada. Qu'est-ce que je pourrais me prendre? Un beau dada. Un beau dada, 11 000 quand même. Hein. Ça fait cher quand même. Ouais, on va prendre celui-là, 2800, c'est déjà pas mal. Attends, 12 000 balles dans un cheval, c'est bon. Si encore je pouvais le manger. J'ai l'impression que je suis en train de vendre un truc. Ah, c'est ça. Alors, good merchant, on n'a pas acheté à manger quand même. Hop, du céréal, du fruit, du raisin, du saucisse. Pas de la saucisse, hein, du saucisse. C'est important. Attendre ici quelques temps. Je sais pas du tout combien de temps il va nous falloir pour finir la lecture du livre. Quittage, groupe. Attends, alors recrue du pendant, on va prendre des miliciens. Des Visperman. J'ai pas recruté. Non. Ouais, il faut un petit peu de cavalier. Épéiste, soldat, c'est bon? Je crois que c'est bon. Donc là, on a 172 troupes. J'ai combien de thunes, moi? Inventaire, 70 000 balles. C'est un peu léger, quand même. Hein. C'est un peu léger.
Alors, mon petit sénéchal, nous allons aller à la salle de guerre. Je veux voir nos recrues nobles. J'ai pas trop compté, hein, je vous cache pas. Alors, on est à 214. Il me reste 48 000, d'accord. Allez, le reste, on va le terminer avec les... avec la garnison. Hop. Hop. Pandore, t'as plus rien. Ok. Ça nous ferait 249 troupes. Pas mal. Attendre ici quelques temps, le temps que ça XP. Ouais, je lui ai dit que je viens, mais j'irai pas, j'ai pas le temps. On va attendre les 24 heures qu'il fasse son entraînement. L'entraînement, tu sais, les XP gratuits comme ça, mes recrues, elles auront tout de suite un grade et elles vont moins crever facilement. Parce que c'est vrai que si tu les entraînes pas du tout, bah, elles font pas long feu. Alors, des miliciens, les nobles, écuyers, 20 écuyers de plus, c'est bon ça. On est toujours à 14 000 balles, ok. Fantassin, archer lourd, chevalier Pandore, ouais, c'est ça. Oh, les archers gris sont tellement badass. Épéiste, soldat. Donc chevalier Pandore, j'en ai 10, chevalier à pied, j'en ai 16, et archer gris, j'en ai 16. Ça marche. Au niveau de mon petit livre, 91%. Ça va assez vite quand même. Chargé, ils y vont. Son con, go. Ça fait 10 fois que je dis chargé, chargé, quoi. Attends, il y a 10 connards, c'est bon. On va pas s'exiler. Hein. Point d'excitation. Ah oui. Oh, ce sniper, quand même. Plouf. Grandillon, c'est le chef de la compagnie de mercenaires. Faut que je les vire, ceux-là. Bon, je t'ai sauvé la vie. Est-ce qu'on peut les... On va les virer. Hein, ah, des soldats sont prêts à être promus, bah merde. C'est vrai qu'après, hey, c'est vrai qu'après un tel combat, on mérite bien une petite promotion. Ouais, ouais, ouais. J'ai combien de thunes là? J'ai 43 000 deniers. J'ai plus besoin de vos services. Okay. Lui, il est rentré chez lui. Maintenant, je vais aller au château. Merde. Non. C'est, faut que j'aille voir ma pouf. Enfin, ma chère étendre. Faut que j'aille voir Dame Terra qui est restée à machin pour recruter des mercenaires. Ah. Ça y est. On est en positif avec les Noldor. Alors, visiter la taverne. Oh, il est où? Ça va, il est là. Il faut une gemme de Quadis. J'en ai une, mais je la gardais pour mon ordre de chevalerie à moi. T'as puis honnêtement, je fais quoi? Je fais des armures ou je recrute des aventuriers? Non, aventuriers, je pense. Bon. Alors, du coup, il faut vraiment que j'aille à Ishkoman, ça. Donc je vais à Ishkoman pour déjà chercher ma gemme. C'est Dame Terra qui l'a gardé. Ok.
Ok, donc on va chercher la gemme. En même temps, je vais recruter des mercenaires. Rendre au château. Bonjour madame. Affaire d'État. Alors. Compagnie de mercenaires, t'as quoi à me proposer? Des Vecavians, renégats. Non! Mais je voulais qu'il me... Tu fais chier. Et la qualité j'aime. Bon, et je fais quoi? Ouah, si je vais. Ah, je sais. Honnêtement, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je prends des mercenaires ou du matériel, quoi? C'est trop dur comme choix à faire, sérieux. Je vais sauvegarder et je vais prendre des mercenaires. Voir un petit peu la puissance, est-ce que je peux les upgrade, tu vois? Voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se profile. Ouais, chevalier. Après, regarde, mes troupes, elles sont pas dégueulasses. En tant que Pandore machin, c'est pas sale, hein. C'est de la belle troupe, là. C'est quand même de la belle troupe. Hein. Ah ouais, et puis alors, attends, j'ai mes Vecavian maintenant. Là. Même pas, ils sont pas avec moi, c'est con. Bon, ok, admettons. Alors, visite. Attends, quitte là. Non. Sauvegarde. Partie sauvegardée, ça marche. Alors. Oh, t'es qui toi? Je croyais que c'était un mercenaire. Putain, j'étais content, elle était sympa. Alors. Ah ouais, mais non. Il faut une gemme de Qualys à chaque fois que tu veux recruter quelqu'un. Ah mais c'est mort. Ah, c'est mort, je fais pas ça. Alors on va aller regarder pour se faire mal au cœur, on va aller regarder ça un peu. Ah c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. 73 PV, 300. Oui, bon voilà, après c'est joli. J'imagine que le matériel est de grande qualité. Maintenant c'est hors de question, je donne pas ma gemme de Qualys pour recruter 12 malheureux guerriers. C'est mort. Ah voilà. C'est impossible. Parce qu'avec ma gemme de Qualys, je peux créer mon propre horde de chevaliers et puis avoir quelque chose, quoi. Alors maintenant, le matériel. Bon, voilà, ça fallait s'y attendre. J'ai pas les prérequis et puis en plus ça coûte 327 000 balles. Bon, maintenant, voilà la qualité du bordel. Attention. 32p, moi je tape à 22. L'épée 43. Oh, je suis à 45. Oh, le cheval, voilà, c'est de la tuerie. Voir un peu. Bon, bof. Voulais juste voir la gueule que ça avait. Ouais, pas mal. Ouais. Bon, tu sais quoi, honnêtement? Rien à foutre. Franchement. C'est ni chaud ni froid. Je prends pas ton matos ni tes troupes, rien à branler. Alors. Par contre. Là que je suis à Laria avec une gemme de Qualys et puis 30 000 balles. Ouais mais non, parce que j'ai pas encore décidé du nom de chevalier. Ça va me prendre 3 heures à faire. Alors. Bon bah du coup la sauvegarde est faite, ça c'est déjà ça qui est fait. Bon, bon. Ok, ça marche. Allez, on va à la guerre.
On va à la guerre comme à la guerre, hein, bien sûr. Comme le veut l'adage. Soldat Pandore. Evis Merman. Alors, on va peut-être commencer à faire un peu de chevalier à pied. Ouais, ouais. Archer gris du Pandore, c'est bon, ça c'est bon. Un petit peu d'archer, allez, soyons. Alors, Pichur, oui, je serai de retour très rapidement, t'inquiète pas. Les renégats Vekavian, ils sont 158. Avec Toblik. Toblik, c'est un guerrier qui se bat en diagonale. À l'oblique. Allez, préparez les échelles, faites-le. Menez vos troupes à l'assaut. À l'assaut, à l'assaut. Très joli ce shot. Bon, là j'ai lancé une charge globale, hein, générale. Mes archers, je les ai posés là où je suis. Oh, le mec il bouge sa tête au moment de la pâte. Les gars, ils ont un sixième sens des poches. L'angle il est un peu. Il pue un peu du cul quand même. Un petit peu du cul, ouais. Ouais, 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 ouais. Yaha, yaha. J'ai cru que j'étais planté là. Et j'ai pris une flèche dans le cul, putain, ça m'a fait faire un bond de 2 mètres en avant. Non mais attends, oh. Laisse tomber, il faut redescendre, c'est pas la peine. Il y a trop de violence, c'est pas possible. Je vois même pas où. Ah, je l'ai touché. Oh oh, il m'a vu. Oh oh. Allez, c'est bon, vas-y, meurs un petit peu toi. Bon, meurt beaucoup, je sais pas, fais quelque chose. Je vois pas où passent mes flèches. Tellement. Oh! Oh, la flèche en pleine tête! Oh! Ah ouais, mais ma tête a carrément explosé, en fait. Ouais, pour le coup, je l'ai vraiment pris en plein dans la gueule, hein, ça... En plein dans le schneuil. Ça m'en a gagné, ça me picote l'actif comme quand tu parles de... Voilà, c'est pareil. Ça picote. À l'assaut, Krogistané, à l'assaut, à l'assaut. Merde, mon café. Oh, putain, mais... Ça perd l'hippopète, quoi, au bout d'un moment, quand même. Ça donne quoi là? Ouais, c'est pas foufou, hein. Ça devrait passer, mais quand même. Ah, les archers gris du Pandore. Allez, c'est le GG. Bon, maintenant il faut qu'on se fasse le donjon, je pense. Alors moi, je vais me retrouver avec
un demi PV, tu sais, pour faire la bataille. Allez, on est parti. Et GG. Allez, Vekavia pur. Pas trop ce que c'est, ces conneries-là. Attends, déjà on va capturer ces... Voilà. Ces cognos. Des réfugiés, des proscrits, de la merde. Voilà, quoi. Voilà, aller récupérer des bottes de maille, super. Ok. Sortir. Tu vois, c'est con parce que personnellement, le château, je le brûlerai en fait. Alors, Dame Oadis, allez. Ok, bon bah écoutez les gars, on s'est fait un château de plus. Les Sarléons, il leur reste 3 châteaux de merde. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que je m'aperçois de plus en plus que le jeu cheat à fond, parce que... Comment te dire il a 3 châteaux de merde, il a 5 villes, et il arrive à entretenir une armée de 2000 personnes. Non. Au bout d'un moment, non. Non, c'est juste pas possible. Donc ça m'énerve un peu. Mais on va faire avec, hein. Le jeu est fait ainsi. Moi, au moins, je cheat pas. Pas comme le jeu. Allez, ça marche. Hop. Bon, ami viewer, je te laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo afin que de plus en plus de Krogistanais nous rejoignent. Je vous fais des bisous et à demain. Passez une bonne journée.